Le monde d'Harvey Weinstein s'est écroulé en octobre dernier. Après des décennies de harcèlement, d'agressions sexuelles et même de viols, le célèbre producteur américain est tombé. Suite aux révélations du New York Times, une centaine de femmes sont sorties du silence pour dénoncer ses agissements. Jeudi 25 janvier, une énième plainte a d'ailleurs été déposée contre Harvey Weinstein à la Cour fédérale de New York. C'est l'ancienne assistante du célèbre producteur, Sandy Prual qui en est à l'origine. Dans les documents que s'est procuré l'Hollywood Reporter, la jeune femme explique avoir travaillé pendant deux ans dans un environnement hostile, sexuel, dur et pervers. Son quotidien consiste notamment à organiser les activités répondant à l'appétit sexuel d'Harvey 21. L'une de ses tâches consistait également à nettoyer le sperme sur le canapé de son bureau, après les rendez-vous sexuels de 21. Les avocats d'Harvey Weinstein ont fait savoir que leur client nie en bloc ces allégations et qu'il répondrait dans un cadre légal et approprié avec les preuves que ces dires sont faux.